Alors oui, j'ai bien un pull en laine sur moi. Oui, on est bien au mois de mai. Et oui, tu as bien vu la vignette, on va parler de maillot de bain aujourd'hui. Mais d'abord, un petit thé. Donc un grand merci à Mondial Tissu qui m'a offert une partie des lycras que j'ai utilisé pour pouvoir te présenter ce nouveau patron. Donc n'hésite pas à aller voir dans sur la boutique en ligne, ils en ont encore plein de très jolis, des unis, avec des jolis motifs fleuris. Donc je te mets le lien dans la description sous la vidéo. Donc ça fait longtemps qu'on me demandait un patron de maillot de bain femme parce que j'avais déjà fait deux maillots de bain pour fillettes il y a bien longtemps. Mais ça y est, je me suis décidée à le faire et ce qui m'a décidée, c'est l'année dernière, j'ai ma fille Clémentine qui m'a demandé de lui coudre un maillot de bain pour les règles. Alors pour moi c'était une grosse découverte, je ne savais pas du tout que ça existait. Et après avoir fait quelques recherches, effectivement, j'ai trouvé que ça existait. Donc j'étais sceptique quand même hein, par rapport à ça, par rapport à l'étanchéité du maillot de bain, par rapport à savoir si ça permettait vraiment de garder les règles à l'intérieur de la culotte. Mais après tout, on fait bien des couches pour bébé, pour aller à la piscine ou à la mer, donc pourquoi pas pour les règles aussi, hein, c'est le même principe. Donc j'ai fait des petites recherches et j'ai décidé de créer un patron de maillot de bain pour les règles. Donc mais clairement, moi j'avais vraiment envie de faire un maillot qui était aussi pour moi. J'avais déjà quelques idées de forme de maillot de bain, donc j'ai commencé à les dessiner. Bien sûr, j'ai commencé à faire tout ça en live sur Twitch, donc n'hésite pas à me suivre également là-bas, parce qu'en plus de créer tous mes patrons en live, je crée aussi ma garde-robe adaptée à ma morphologie. Et comme j'aime bien fournir plusieurs versions sur un même patron, j'ai décidé de faire une version une pièce, donc qui serait plutôt pour moi, et de faire aussi une version, une combinaison brassière plus culotte qui serait plutôt pour ma fille. Donc comme ça, ce serait parfait, j'aurais mes deux versions. Et je me suis rappelée aussi d'un commentaire que j'avais eu il y a bien longtemps sur une de mes vidéos YouTube. Alors je ne sais plus du tout qui c'était, je suis désolée si c'est toi, n'hésite pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo-là. Mais qui me demandait de faire un tankini, donc une version donc avec une culotte de maillot de bain, mais avec un haut plutôt que juste la brassière, comme ça on cachait le ventre. Et donc du coup bah, j'ai fait aussi un top pour ce maillot de bain, ce qui fait qu'il sera disponible dans plein de versions possibles. Et ça ne s'arrête pas là, puisque un maillot de bain pour les règles, moi j'en ai pas vraiment besoin. En plus j'étais toujours sceptique sur le fait que ça marche bien, que ça soit bien étanche. Du coup, je me suis dit, je vais faire aussi une version de maillot de bain classique. Comme ça, moi, je vais me faire un maillot de bain classique. Et pour mes filles, je ferai aussi une version menstruelle. Comme ça, on va pouvoir avoir les deux. Et puis, si jamais, pendant mes tests, la partie menstruelle ne fonctionne pas, si on a quand même plein de fuites et tout ça, au moins, j'aurai un patron de maillot de bain classique à te proposer. Et donc, j'ai commencé à faire des prototypes. J'en ai fait des tonnes. J'ai cousu du lycra pendant 2 mois jusqu'à avoir la forme de maillot de bain que je voulais. Bon, j'ai essayé le maillot hier. Il est 3 fois trop grand. Je respire plus. Je respire plus. Voilà le dos et le devant. Mais par contre, je respire plus. Hein. L'élastique, il est trop serré. On va faire un nouveau prototype du maillot une pièce, histoire de valider la taille. Donc j'ai fini mon maillot. Alors la taille, elle est bien. Et on a pu tester la version menstruelle aussi. Alors tu veux savoir si ça marche? Eh bien d'après Clémentine, ça fonctionne bien. Elle s'est baignée avec alors qu'elle avait ses règles et puis l'eau est restée limpide. Donc on peut dire que ça fonctionne. J'ai aussi mon équipe de testeuses qui m'a beaucoup aidée à développer ce patron. Donc merci, un grand merci à elle
pour toutes leurs commentaires, tout ce qu'elles ont pu apporter à ce maillot de bain. Le patron ne serait vraiment pas ce qu'il est aujourd'hui sans elles. Donc je suis très contente aujourd'hui de te proposer Summer Song, mon nouveau patron de maillot de bain, un maillot de bain pour femmes du 34 au 54, un maillot de bain pour les règles ou pas. Ce patron te propose donc plusieurs pièces différentes, donc on a le maillot une pièce, on a la brassière, la culotte qui peut être taille haute ou taille basse, alors c'est une culotte qui est de forme plutôt shorty, ceci dit le maillot de bain une pièce aussi, hein, il a une forme shorty au niveau des jambes. Et il y a aussi un top, donc le maillot une pièce et le top ont une brassière intégrée qui est complètement invisible et dans tout ce qui est brassière, il y a aussi la possibilité d'intégrer des petites coques donc qui sont amovibles, hein, qu'on peut mettre ou enlever si on en a envie. Le patron est disponible du 34 au 54, mais n'hésite pas avant d'acheter le patron de vérifier que ta taille est bien dans le patron, en regardant le tableau des mensurations que je te propose. Donc sur ce patron, tu vas retrouver le livret de couture qui est accompagné de plein de schémas détaillés pour t'aider à coudre. Il y a aussi tous les patrons PDF. J'ai mis sur des fichiers séparés chaque pièce parce que je trouvais que c'était plus simple de pouvoir avoir par exemple le fichier de la brassière et d'imprimer que ce fichier là si on veut faire la brassière plutôt que de se dire ben on met tout sur le même fichier et puis de telle page c'est pour la brassière, de telle page c'est pour le maillot une pièce, etc. Moi je trouvais ça beaucoup trop compliqué donc j'ai fait des fichiers séparés pour chaque pièce, comme ça c'est beaucoup plus simple. C'est disponible au format A4, au format A0 et au format projection. Sur mon site, tu as aussi tout un tas de vidéos pour t'accompagner dans la couture de ce maillot de bain, mais aussi avant la couture, donc pour t'aider à prendre tes mensurations, pour t'aider à adapter le patron à ta morphologie, pour t'aider à choisir les bonnes matières, les bons tissus, les bons outils pour coudre, etc. Ce patron est aussi disponible sur Makeris, donc sur Makeris il n'y a que les fichiers PDF, mais je vais mettre les vidéos de tuto couture ici sur YouTube. Comme ça, tu pourras quand même avoir de l'aide pour coudre ce maillot de bain. Donc j'espère vraiment que ce patron te plaira. Moi, la combinaison que je préfère, c'est celle que j'ai faite pour Clémentine. Donc de faire une culotte pour les règles, une culotte classique et de faire la brassière ou le top si tu préfères ne pas montrer ton ventre. Donc comme ça, avec cette combinaison-là de maillot, on est paré pour n'importe quel jour de son cycle, on peut aller vraiment à la plage quand on veut. Concernant la difficulté de ce maillot de bain, alors ça dépend beaucoup des pièces que tu vas coudre. Le maillot une pièce, c'est vraiment le maillot le plus difficile à coudre, parce qu'il réunit en fait toutes les difficultés de tous les autres patrons assemblés. Le maillot brassière simple et culotte toute simple, c'est vraiment assez facile à faire. J'ai laissé quand même le niveau de couture de ce patron en niveau intermédiaire parce qu'on utilise du lycra. Le lycra, c'est un tissu qui glisse énormément et donc la difficulté, elle va plus être à ce niveau-là, au niveau de l'utilisation de ce tissu qui est un petit peu plus difficile que du coton basique. La couture des élastiques aussi est un petit peu différente que par rapport à la couture de la lingerie. Donc il y a plein de petites nuances qui fait que je mets ce patron plus en intermédiaire qu'en facile. Mais si on arrive bien à gérer tout ce qui est lycra et couture d'élastique, ce maillot de bain là ne pose pas de problème, surtout si on fait tout simplement la culotte ou la brassière, c'est vraiment un patron qui est tout à fait abordable. Mais si jamais toutes ces petites différences de couture par rapport à la couture de lingerie te posent un petit peu problème, n'hésite pas à aller voir les vidéos tuto couture que je vais te mettre juste ici.